Bienvenue à l'Église Sainte-Claire, un sanctuaire dématérialisé où nous avons des discussions pas piquées des verres. Nous sommes une communauté 100% en ligne qui accueille des gens de tout horizon, de toute histoire de vie. Nous t'accueillons tel que tu es, que tu sois un homme ou une femme, une personne non genrée, je ne sais pas, ou qui se cherche tout juste, tout simplement. Peut-être es-tu quelqu'un qui te sent un peu mêlé, comme moi. Peu importe tes préférences romantiques, ton passé ou ton présent, sache que le Seigneur tient à toi et qu'il t'appelle à le découvrir et à te découvrir toi-même. Merci d'être présent ce soir. Ici, non pas Stéphane Vermette, mais votre humble serviteur Jean-Philippe Dubé-Goupil. C'est moi qui le remplace en ce 19 novembre 2023. Avec une tempête de neige à ma porte, signe que l'hiver va bientôt débuter et que dans 2 semaines, ce sera déjà le temps de l'Avent. Sweet Jesus, que le temps passe vite. Mais avant de commencer notre célébration, j'aimerais vous partager quelques annonces d'importance. Première des choses, la semaine prochaine, le 26 novembre, on va avoir Dimanche de Sainte-Anne. Donc, nous allons célébrer le sacrement de la communion sur Zoom. N'oubliez pas d'amener un petit peu de pain ou et du vin ou toute autre chose avec laquelle vous êtes à l'aise de communier. De même, je vous annonce le 29 novembre prochain, on va avoir notre rencontre une fois par mois le mercredi, toujours à 19h30. Et on va discuter du fameux passage de la femme adultère dans l'Évangile selon Jean. Peut-être qu'on va enfin trouver la réponse à cette fameuse question. Qu'est-ce que Jésus a écrit dans le sable? A-t-il écrit des noms, une liste d'épicerie, ou bien fait-il l'inventaire de quelques versets bibliques préférés? Nous essaierons d'y faire sens tous ensemble. Alors, le 29 novembre, ne manquez pas ça. Cela dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aurait une chandelle? Parce que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi. Alors, je n'ai pas la possibilité d'en allumer une. Et là, je vois Serge se lever. Ah! Je vois un peu de lumière. Génial. Merci beaucoup, Serge. Mes amis, que cette chandelle soit le symbole de la présence du Christ parmi nous. Lui qui a dit, là où un ou deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Que sa grâce, que sa douceur nous accompagne tout au long de cette soirée, tous ensemble. Amen. Ce soir, grosse discussion, gros sujet, grosse lecture. Nous allons discuter tous ensemble du possible et de l'impossible. Pouvons-nous rendre possible quelque chose de soi-disant irréalisable si nous travaillons fort? Devons-nous croire que tout est possible par nos efforts ou par notre foi? Ou bien devons-nous rester circonspects et ne pas croire? Pour nous aider à réfléchir, on va écouter le témoignage d'une athlète plutôt originale et qui sait très bien ce que voudrait dire le terme impossible. Alors, je vous prépare cela et ensuite nous aurons un petit moment de discussion. Et je vois beaucoup de gens qui écrivent dans la discussion. Je vais juste vérifier. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. On dirait que j'ai des groupies. Alors, on y va. Tranquillou. Puis s'il y a un problème technique, n'hésitez pas à me le dire. Bye.
J'analyse les prouesses des meilleurs gars du monde, et je rivalise avec les meilleurs gars du monde. Et maintenant je vais battre les meilleurs gars du monde, voilà comment je le conçois. J'avais posté une vidéo sur mon Instagram où je courais très vite. Je parcourais environ 20 mètres en seulement 3 ou 4 secondes. Les gens étaient impressionnés et se disaient « Waouh ! Selon eux, je détenais probablement un record. » Alors, je leur ai dit que s'ils voulaient, je pouvais tester. Guinness World Records est là, tout le monde est là, d'anciens champions olympiques et détenteurs de records du monde, ils sont tous là pour me soutenir, me pousser, me motiver, et j'ai simplement donné tout ce que j'avais. Chose improbable, mon premier essai était en fait plus rapide que mon deuxième. Je me déplaçais si vite que j'ai glissé et j'ai atterri sous le capteur. J'ai donc dû recommencer. Je m'y attendais, j'ai dit à tout le monde que j'allais passer sous les 5 secondes, peut-être même 4, et je l'ai fait. D'abord je l'ai dit, puis je l'ai fait, pour enfin pouvoir leur dire à tous « je vous l'avais dit ». Je vous ai dit ce que j'allais faire et je l'ai fait, tout simplement. Pour obtenir le titre Guinness World Records, il faut être le premier et je le suis. Vous savez, personne n'est plus rapide que moi pour l'instant. Je suis l'homme le plus rapide sur les mains dans le monde, mais ce record est une victoire que je partage également avec ma famille, ma ville et mon groupe de soutien, parce que sans eux, je ne serais pas là à faire ça, pour vous. Je suis né avec le syndrome de régression caudale, c'est une maladie très rare. Je me suis toujours débrouillé avec ce que j'ai, car je n'ai pas vraiment d'autres options qui se présentent à moi. On parle de mère de famille d'accueil, mais moi je la considère comme ma mère, c'est tout. Le système de placement familial a contacté ma mère pour lui dire qu'ils avaient épuisé toutes leurs options. Ils lui ont alors demandé si elle voulait me prendre en charge. Et puis, environ 7 mois plus tard, il était question de mon adoption la semaine suivante. Et là, je me suis dit qu'enfin, j'allais obtenir ce que j'ai toujours voulu. Et me voilà 5 ans plus tard, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai décidé que plus jamais je ne serais faible. Et j'ai bossé autant que je le pouvais chaque jour. J'allais à 2 ou 3 entraînements de lutte par jour, 7 jours sur 7. Après, je suis entré au lycée. Je suis devenu l'un des meilleurs lutteurs de l'État, et peu de temps après, je suis devenu l'un des meilleurs du pays. Je suis vraiment prêt à tout donner pour atteindre mon objectif principal, qui est d'être le meilleur lutteur et le meilleur athlète de piste. Ce n'est généralement pas le premier choix pour la plupart des gens. C'est le sport le plus dangereux et le plus ancien du monde. Et personnellement, je trouvais juste que ça avait l'air amusant. Tout le monde m'a accepté, comme l'un d'entre eux. Ils ne m'ont pas considéré comme différent. Ils n'ont pas pris de pincettes avec moi et c'est ce que je voulais. Le monde de la lutte est vraiment comme une grande famille dans le monde entier et c'est ce qui m'a plu. J'ai dépassé toutes mes limites, parce que lorsque je serai champion olympique et champion du monde de lutte, je vais briser le plafond de verre et pas qu'une fois. En ce qui concerne mon avenir, je me vois multiple champion olympique, et je me vois tout simplement champion du monde. Je veux gagner plus de médailles que Michael Phelps. Je veux devenir ce champion. Je serai ce champion. Car, pourquoi pas, je connais des personnes atteintes de handicap, qui souffrent des mêmes handicaps que les miens, voire parfois de handicaps beaucoup plus graves, et je les vois devenir des athlètes de haut niveau, chaque jour. C'est une question de dépassement de soi, et de travail qu'on est prêt à fournir. Je dirais ça à n'importe quel enfant atteint de handicap. Je dirais ça à un enfant qui n'a pas de handicap. Mon message reste le même. Je dis simplement, absolument tout ce qui me passe par la tête. Alors, voilà. J'aimerais peut-être avoir un peu vos premières impressions là-dessus. Puis avant qu'on commence la discussion, je dois vous avouer, je n'avais jamais vu un homme tronc avant. Donc, je ne savais pas que ça existait. Alors, ça m'a vraiment touché, puis ça a piqué ma curiosité, justement. Si on m'aurait dit que cet homme-là aurait fait les Olympiques, j'aurais jamais été capable d'y croire. C'est impossible, voyons. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça est? Quelles questions ça vous évoque? Est-ce que vous avez déjà fait face justement à des situations qui vous paraissaient impossibles, mais finalement vous en êtes sorti? Alors, Lynn est la première à lever sa main. Alors, on t'écoute.
Je ne sais même pas si c'est vrai, cette vidéo. Je sens ça tellement impossible que je ne sais pas si c'est vrai. Mais il y a une phrase que j'ai retenue, que j'aime beaucoup, c'est il est merveilleux, je ne sais pas s'il existe, mais je vais faire tous les efforts possibles pour atteindre mon objectif. Je vois Jacques qui parle un petit peu. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. N'oublie pas d'ouvrir ton micro. Michel, oh. Voilà, tu m'entends? Oui, je t'entends, Jacques. Voici Alors, Jacques. voilà ce que je voulais dire. Je suis très biblique. Rien n'est impossible à Dieu. Si on croit que cela peut arriver, cela arrivera. Et ce qui s'est passé aussi dans ma vie quand j'ai, avant d'être, pour moi, d'être pasteur, c'est une vocation. Je sais que certains de mes collègues d'avant ou après ne croient pas que c'est une vocation, c'est un appel. Pour moi, c'est une vocation et c'est un appel. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et ça s'est passé dans ma vie et je l'ai vu dans mon ministère et au-delà de mon ministère. Si on croit qu'on peut réaliser ou faire quelque chose, on y va de l'avant. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Michel? Pour répondre à Lynn, cet individu-là précisément, je ne le connais pas, mais oui, ce type de physique-là, ça existe. J'en ai déjà vu. Et puis, bon, évidemment, ça prend de la force d'un bras, puis ben, il y a moins pesant de corps au bout, fait que on peut dire qu'il y a peut-être un petit avantage de ce côté-là, là. Non, non, mais pour se promener, mettons qu'il y a moins de poids à déplacer, mais quand même, je veux pas minimiser l'effort non plus. Est-ce que des choses impossibles, bon, j'ai jamais fait de miracle de ce genre-là ou de patente phénoménale, mais mettons qu'il y a certains dossiers, je pourrais dire à un moment donné qu'on se dit, ben, comment qu'on va faire pour passer au travers de telle chose? Comment va-t-on faire pour réaliser telle chose et puis finalement qu'on arrive au bout? Comme je dis, c'est pas des gros miracles, c'est rien de spectaculaire, mais quand même. Puis c'est, je dirais, c'est souvent, heureusement puis malheureusement, que je me rends compte qu'il y a quelqu'un à côté de moi pour m'accompagner. Quand je dis malheureusement, c'est que j'aimerais peut-être mieux le voir avant plutôt qu'après. Merci. Merci beaucoup, Michel. Sophie ou Alain, je ne me souviens pas c'est lequel qui est arrivé en premier. Alain. Vas-y, Alain. Alain, on t'entend très, très mal, là. Est-ce que tu peux checker? Vas-y, Sophie. OK. Ouais, good. Bon, alors c'est plutôt à propos de la réalisation d'objectifs. Je pense que quand on a une idée en tête, puis bon, je parle d'objectifs où il n'y a pas de vie en danger ou quoi que ce soit, mais quand on devient plus habité par un projet ou une idée, en fait, je pense que pour l'avoir vécu, ça comme met au jour en anglais, il y a ce mot awareness, enfin d'éveil ou d'attention. Et du coup, je pense que ce qui se met en marche, moi, je l'ai vécu pour moi, c'est que je sollicite des démarches, peut-être ça va me pousser plus à aller voir, à parler à certaines personnes. Donc, je force un peu mon destin, en quelque sorte. On pourrait dire ça comme ça. Et effectivement, ben, ça m'amène, ça met en marche une réaction en chaîne et ça m'amène à l'atteinte de mon objectif. Il y a de plus fortes chances. Comme dirait ma mère, on peut demander à de se faire aider, on peut demander à Dieu de se faire aider, mais Dieu, il a besoin qu'on l'aide aussi. Donc, je pense que c'est dans l'idée de mettre en branle des
une série de petits éléments qui pointent tous vers une même finalité qui fait qu'on atteint son objectif. Au lieu d'être passif, on est plus actif et ça porte fruit. Merci beaucoup, Sophie. Essaie-toi donc à nouveau, Alain. Bon, en espérant que ça marche. Ah, là, ça Bon, marche. OK. Donc, deux choses. C'est sûr qu'il faut d'abord essayer. Mais d'essayer des choses, non pas qu'on est sûr de réaliser, mais même si on se dit, oh, je ne sais pas si je vais réussir, c'est de l'essayer. Puis même si on manque d'un coup une fois, deux fois, trois fois, à la limite, on continue d'essayer. C'est le même comme, j'imagine que c'est le même qu'on réussit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je me dis en quelque part qu'il faut être aussi réaliste. J'ai 59 ans. Puis je pense pas que si je me mettais à m'entraîner demain matin, je pense pas que je vais réussir à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Malgré toute la volonté, les efforts que je pourrais mettre, il faut savoir à un moment donné que des fois, il y a des choses que on ne sera pas capable de réaliser, même si on voudrait bien, et bon, en fait. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Alain. Ça me fait réfléchir, tu sais. Il y a des rêves auxquels on aspire, mais qui, en fin de compte, ne peuvent pas se réaliser. Et j'entends souvent ce discours-là, parfois dans notre société. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si tu le veux vraiment, tu le peux. Mais à moi de me dire, non, pas nécessairement. Il y a toujours la question de la réalité. Je trouve que c'est un dicton que les jeunes ont beaucoup, je trouve, les plus jeunes générations. Puis, c'est ça me questionne, tout d'abord. J'ai vu un message, dans la discussion. Sophie nous dit, essayez, oui, mais avec un sens de la destination que je souhaite atteindre. Il y a une approche qui relève presque de la stratégie et de la prise de décision consciente. Il y a le quoi égale l'objectif, puis se demander le comment égale les étapes pour y arriver. C'est vrai que l'atteinte d'objectifs, ça demande toute une stratégie puis tout un sens du discernement. Comme dit, il y a des la réalité nous force parfois à faire le deuil de certains désirs et certains rêves. Comme je ne pense pas un jour pouvoir devenir un Miss America, là. À moins que la science soit tellement avancée que je pourrais ressembler, je ne sais pas, à Pamela Anderson, là. Ce que je doute, fortement, mais qui sait? Michel nous dit, tout au long de l'histoire, les jeunes ont toujours été plus téméraires que les vieux. Ah ben c'est vrai. C'est vrai, mais parfois, écoute, on en trouve quand même des personnes plus âgées qui ont des rêves un peu fous. Oui. Est-ce que tu as un rêve fou, Michel, à nous partager? Pauvre, pas nécessairement, là. Pas très fou, puis donc rien à partager. Parfait. Lynn. En fait, ce qui me vient, c'est que j'ai beaucoup apprécié ça, le commentaire de Alain. Parce que tu sais, la sagesse, c'est pas un faible mot. Quand on vieillit, on devient plus conscient. C'est pas parce qu'on veut pas atteindre l'impossible, mais on est plus conscient de ce qui de notre capacité, de nos limites. Alors que quand tu es jeune, il n'y a rien à ton épreuve, là, tu sais. Fait que ça veut pas dire que c'est impossible.
Mais comme tu dis, tu ne peux pas te transformer en Miss Univers, là, tu sais, tu ne peux pas devenir Miss Univers. Bon, alors moi, ça, j'appelle ça de la sagesse, puis c'est pas de ne pas croire à le possible, puis l'impossible n'est pas à ce niveau-là. Tu sais, c'est ce que je pense. Serge, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, ce qui m'a épaté, c'est pendant ces 5 ou 10 minutes-là que le monsieur a parlé, il s'est jamais plaint de ce qui lui était. Comment ça se fait que je suis venu au monde de même? Comment ça se fait que ça m'est arrivé? Jamais il a prononcé ce mot-là. Il a juste dit le but qu'il voulait atteindre. Puis je pense que ça c'est extraordinaire. Comment je, en tout cas, je tombe en bas de ma stage. Puis il y a aussi souvent, là, on nous arrive, nos proches ont des maladies, puis ils arrivent juste à surmonter ça. Puis souvent, ils ne se plaignent pas de Sion, mais ils s'en vont plutôt vers l'avant pour essayer d'être vers une normalité. Fait que non, je pense que c'est ça. Dieu nous donne la force d'aller au-dessus de nos problèmes puis de nos. C'est ça. C'est extraordinaire qu'il nous donne ça. Merci Serge, tu as raison, tu sais, de dire que c'est vrai qu'il se plaint pas, le monsieur, mais il y a une phrase, par exemple, qui m'a accroché, qui a dit: je ne veux pas être faible. Et ça m'a questionné sur le coup. Je saurais, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mais tous ces efforts-là, dans le fond, pourquoi? Pour quelle intention? En tout cas, Sophie, vas-y donc. Oui, je voulais réagir sur ce que dit Serge, que Dieu nous donne la force. Qu'est-ce que tu avais dit, Serge? Dieu nous donne la force de... Ben de surmonter les épreuves dans un sens. OK. Tu sais, on n'a pas d'épreuves, on n'a jamais des épreuves insurmontables. Puis Non. là, on a Oui. les épreuves, on nous donne les épreuves qu'on peut surmonter. Oui. OK. J'ajouterais à ça pour compléter, c'est qu'en fait, il y a comme une ligne de temps. Parce que ben, moi, dans ma vie, ce qui a été l'adversité, c'est que j'ai fait un burn-out là au travail. Et en fait, la solution, c'était que je le quitte pour trouver un endroit plus cool pour travailler à plein de points de vue. Mais cette décision, elle n'est pas venue tout de suite. Je pense qu'il y a la ligne du temps aussi. Dieu peut nous aider, mais peut-être ça l'aide, elle n'a pas lieu tout de suite. Il faut être prêt aussi et à prendre les décisions, à tourner la page. Passer par un moment de noirceur, où on ne voit aucune solution, aucune lumière au bout du tunnel. On n'arrive même pas à générer soi-même ses propres solutions. C'est que des murs partout. Alors, pour qu'il y ait enfin une petite brèche là qui s'ouvre et de la lumière, ça peut prendre du temps. Et c'est là qu'on peut commencer à aller chercher une solution, à s'extraire de la situation difficile. Donc, la ligne du temps, là, ça peut prendre un peu de temps parfois pour s'en sortir. Rita. N'oublie pas d'ouvrir ton micro, Rita. Faudrait que tu ouvres ton micro, Rita. Elle ne sait pas comment faire. Un peu. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir moi-même. Tu peux peser sur un bouton qui va lui faire un gros affichage. On ouvre ton micro, puis je pense qu'à ce moment-là, c'est plus évident. Je l'ai déjà fait. Ah, moi, je ne sais pas comment faire. Moi, je crois qu'il faut aller dans participants et puis je peux voir si je peux cliquer sur le micro de Rita. Non, non, mais c'est un animateur qui peut le faire. Ah, OK. Donc, Ben, tu dois ouvrir la liste de participants et puis à côté du nom de Rita, tu débloques le micro. Tu enlèves le micro. en fait, la seule option que j'ai, c'est signaler. C'est ça, mais à ce moment-là, elle va avoir un message qui va Ah! apparaître en évidence. Allume ton OK. micro. Alors. Un petit peu. C'est Gary qui host, peut-être il peut le faire. C'est Gary. J'ai déjà fait plusieurs fois. Ben moi, je vois OK. toujours son micro barré. Donc, Ouais, ben puis c'est ça, mais. le signaler, c'est juste, écoute, pour l'exclure
La Oui, mort, il top, bon. moi-même. Fallait que je pèse sur. Moi, c'était pas anglais. J'ai pesé sur ça, en tout cas. Qu'est-ce que je voulais? En tout cas, avant que quelqu'un. C'est bon. Alors, je vais revenir dans mon espace, là. Mon Dieu. Le possible et l'impossible. Selon mon expérience de vie, quand tu veux, c'est certain que quand on veut aller vers quelque chose, d'abord, quand tu as 23 ans, tu sais pas trop, tu as deux enfants, mais tu sais pas trop. Je ne savais même pas que j'étais intelligente, fait qu'imaginez. Ça commence par une connaissance, quand c'est long, ça commence par une connaissance de soi. Pour moi, c'était ça. Ensuite, tranquillement, ça, y a des choses auxquelles tu penses, que tu aimerais faire. C'est sûr que c'est une grande incertitude. Mais par contre, je croyais beaucoup en la vie. La vie pour moi, c'est un grand V, c'est Dieu. Oui, j'avais des buts. Je ne voulais, je l'ai fait pour moi, c'est sûr, mais dans ma tête à moi, c'est, je l'ai fait pour mes enfants. Je voulais qu'ils vivent pour moi ce que je vivais. Je voulais qu'ils soient bien, en tout cas, avoir de l'éducation, de l'instruction. Et aussi, je pensais à mes parents. Moi, je voulais pas toute ma vie sur le bien-être social. Alors, j'étais avec Saint-Michel, de Joliette. Je me rappelle que je me promène du salon à la cuisine arrière. Il y a deux portes. Je fais ça souvent, souvent, souvent. Et c'est comme ça que j'ai. C'est une longue, en tout cas, moi, je trouve que c'est une longue réflexion. Et quand j'y ai cru, j'étais rendue à Laval et je ne savais pas que j'ai tenté le coup pour le coup, mais je suis présentée au Mont de la Salle à Laval. Je voulais faire mon cours d'infirmière auxiliaire, mais c'était jamais le but. Moi, j'étais rendue peut-être c'est à 24 ans que j'ai fini à 26 ans. Je croyais tellement, je voulais tellement. Je sais que c'était Jean-Marie Beaulac, c'est celui qui s'occupait du programme de longue durée. J'ai dit, mon Dieu, je sais pas si. Mais dans ces moments-là, tu veux tellement, tu y crois tellement tu n'en vois pas d'obstacle. J'étais sûre qu'on m'accepterait. Alors oui, effectivement, j'étais la première adulte à aller sur mon fils de 12 ans, avec des filles qui n'ont même pas 18 ans, ils ont 16, 17 ans à peu près, même peut-être plus jeune, je ne sais plus. Monsieur Beaulac me dit, Madame Beauséjour, avant de quitter, je vais vous dire que vous avez 80% de chance de faire votre cours. Ça m'a sauvé la vie, en tout cas, pour moi, de pouvoir aller étudier, puis. D'apporter ce qu'il fallait pour mes enfants, les nourrir, un logement, tout ça. Et puis c'est sûr que par après, bon, j'ai continué. Je ne savais pas que j'aimais étudier. De toute façon, à l'orphelinat, on me disait, tu ne te rendras pas plus loin que la 7e année. Puis, bon, on ne voulait pas me dire que je n'étais pas capable. Mais quand je suis sortie de tout ça, là, de là, c'est sûr que j'ai une bonne éducation, une bonne instruction avec les religieuses, c'est certain. Mais il y avait tellement, tellement de barrières qu'on m'avait mis là, dans la tête. Alors non, c'est sûr. Alors j'ai fait ce cours-là, j'ai tout travaillé, j'étais bien, j'étais contente de moi. Et après ça, c'est ça, j'ai continué, j'ai fait mon cours d'infirmière à Victoriaville, tout ça. Je pense que ça prend beaucoup de courage. On m'appelait Madame Courageuse, mais je détestais ce mot courage parce que je trouvais que c'était comme détruire en dedans, cette air d'aller.
Mais je suis courageuse. Mais c'est vrai que quand on est jeune, je ne sais pas si c'est pour ça aujourd'hui, non, pas à l'âge que je suis rendue, mais au moins c'est fait. On est plus audacieux, on est moins conscient. On sait que, écoute, il peut y avoir des obstacles, mais on va attendre qu'ils se présentent comme il y a des choses. Puis après ça, bon, on va y aller chose à la fois. Et ce que j'ai aimé beaucoup aussi, c'est qu'après moi, la commission scolaire a décidé que c'était payant d'avoir des adultes. Alors, on va créer un chiffre de jour, c'est sûr, un chiffre de soir pour que les gens puissent aller étudier, peu importe l'âge qu'ils avaient. Alors, c'est ça, c'est. J'ai pris ma retraite en 2008. C'est sûr que j'ai cherché un peu, bénévolat, oui, mais j'étais toujours portée à aller vers les hôpitaux faire du bénévolat, c'est sûr, c'est pas pareil du tout. Mais dans tout ça, je m'oubliais aussi, hein. Alors, non, le pire de ma vie, ça a été ça, d'élever des enfants. Et quand tu fais ton épicerie, tu as 25 $ pour la semaine. C'est sûr, c'est en 62 ou 73, hein. On n'avait pas grand-chose, c'était rien, puis je calculais toutes mes affaires. Les garçons, ils avaient un bébé qui avait naissé, qui était naissant, qui avait 2 ans, puis ils mangeaient du yogourt, c'était pas nécessairement dans ma liste d'épicerie. Mais ça fait rien, toujours, on s'en est sorti, et je suis fière de ce que mes enfants sont devenus, ils fonctionnent bien, j'ai même réussi, quand je faisais mon cours d'infirmière, à les envoyer pensionnaires à Tabasco. Eh bien, c'est sûr, j'aurais toujours une reconnaissance pour les frères du Sacré-Cœur. Il y avait des bourses parce que c'était une région où il y avait beaucoup de cultivateurs. Alors, j'ai pu envoyer pour moi une affaire pensionnaire pendant que je faisais mon cours d'infirmière. C'est sûr, je peux acheter beaucoup de char. Le char, je l'ai acheté quand j'ai fini mon cours à 35 ans. Oui, je m'exprime comme ça, j'ai besoin d'exprimer ça, même si ça fait longtemps c'est passé. Je ne suis pas tellement intellectuelle, mais pour moi, c'est une leçon de Merci beaucoup, Rita, d'avoir partagé ce petit moment, ce moment de vie quand même important dans ton parcours. Alors là-dessus, je vous inviterai à prier avec moi. Prenons un instant pour intégrer nos réflexions et laisser la parole se poser en nous. Dieu de grâce, tu connais nos joies comme nos peines. Tu connais nos espérances comme nos détresses. Bien que ce monde soit né de ta volonté et de ton amour, nous ne pouvons nier le fait que celui-ci comporte son nombre d'aberrations. Tes enfants portent, chacun et chacune, leurs blessures et leurs difformités. Nous portons toutes et tous le fardeau de l'exclusion et de l'angoisse. Mais encore, malgré nos handicaps, nous pouvons ressentir cette force. Une force, un désir émanant de notre intérieur. Apprends-nous à écouter cette voix qui nous invite à aller par-delà l'impossible. Pour célébrer ta grâce dans la vie comme dans la mort, et la vie au-delà de la mort. Amen. Échangeons ensemble un signe de paix. Alors, ce soir, honnêtement, ça va être légèrement différent. Je vais faire un peu figure d'humilité devant vous. Cette semaine, j'ai travaillé tous les jours sur un texte
du Nouveau Testament que vous avez peut-être vu passer sur Facebook. Et aujourd'hui, je me suis avoué vaincu. J'ai ressenti que ce texte-là m'a résisté toute la semaine pour toutes sortes de raisons. J'avais de la difficulté à trouver la bonne nouvelle dedans. J'avais de la difficulté à croire ce que je lisais. Puis j'ai vraiment essayé jusqu'à il y a, 15 minutes avant le début de la célébration. Puis je me suis dit à la place, ben si j'ai tellement de difficultés, eh bien, peut-être les gens ici vont peut-être pouvoir me donner un coup de main. Alors, ce que j'aimerais ce soir, hein, c'est qu'on lise le texte ensemble, puis qu'on se pose la question, c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans? Puis, on va le lire tous ensemble, un peu à la manière d'un cercle de lecture. Donc, comme j'ai fait tantôt, on va commenter, on va se poser des questions, je vais vous relancer la balle. Donc, c'est de la manière qu'on va fonctionner ce soir, si vous le voulez bien. Alors, je vous partage le texte dès maintenant. Voilà, voilà. Est-ce que vous le voyez bien? OK. Peut-être le grossir un petit peu. Je oui, sais pas est-ce si que tu peux capable faire. De là? Oh, c'est mieux. Ouais, voilà, ça aide. C'est mieux? Attends un petit peu, je veux juste qu'on le voit vraiment au complet. Peut-être comme ça. Est-ce que ça vous va? C'est bon. OK. Donc, est-ce que quelqu'un qui voudrait lire? Hein? Et bien, et là, je m'aperçois que je ne vois aucun de vous. Attends un petit peu. S'il n'y a pas un moyen de... Lire, Jean-Philippe. Oui, vas-y, Pauline. Vas-y. OK. Après avoir été témoin de la transfiguration de Jésus, les disciples s'en retournent. Comme il arrivait près de la foule, un homme s'approcha de Jésus et lui dit en tombant à genoux, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus rabroua le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri dès cette heure-là. Alors, les disciples s'approchant de Jésus lui dirent en particulier, « Et nous, pourquoi n'avons-nous pas été capables de le chasser? » Il leur dit, « À cause de la pauvreté de votre foi, car en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Passe d'ici là-bas, et elle y passera. » Rien ne vous sera impossible. Et puis, ce genre de démon ne peut s'en aller sinon par la prière et le jeûne. Ensuite, Jésus les amena sur les chemins de la Galilée. C'est à cet endroit, à ce moment-là, qu'il leur confia que le Fils de l'homme allait être livré entre les mains des hommes. Alors, merci beaucoup, Pauline. Alors, là, je vous vois. Génial. Donc, écoutez, on peut avoir une conversation super open. Puis, tu peux discuter du texte, ce qu'on aime moins, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans la situation d'aujourd'hui. Puis, je vais rajouter un peu à travers nos échanges les réflexions que j'ai eues cette semaine. Puis le fruit de mes recherches. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait briser la glace? Serge, vas-y. Donc, en premier, j'aimerais pas avoir Jésus comme boss. Franchement, là, il a été pas mal dur avec ses disciples. Il les aurait brouillés, puis il aurait dit, écoutez, non, vous savez pas vraiment quoi faire, là. Moi, je vais vous le montrer.
Mais je me demande, là, en lisant une deuxième fois, une troisième fois, est-ce que c'est vraiment ses disciples qui parlaient, mais plutôt aux gens qui l'entouraient, aux autres qui l'entouraient, puis qui disaient, ben, écoutez, je serai pas là longtemps avec vous, puis vous n'avez pas encore réussi à avoir foi en moi, puis en Dieu. Peut-être que c'est ça. Parce que Matthieu, là, là-dedans, là, mon Dieu, il y a des reproches qui sont là. Puis, je vais juste vous donner ou te donner un exemple. Cette semaine, ma fille, il y a eu malheureusement une jeune fille qui a perdu la vie à Saint-Jean. Là. Et puis, ma fille, elle m'a dit, ah, mon Dieu, j'espère que j'aimerais avoir la foi, assez de foi pour lui croire et puis lui dire que il y a de l'autre côté, ou croire qu'il y a quelque chose de l'autre côté, et puis qu'elle est bien où elle est rendue. Puis, mais malheureusement, là, j'en ai pas la certitude encore. C'est tout. Merci, merci beaucoup, Serge. C'est vrai que la parole de Jésus questionne beaucoup, hein? C'est pas trop le petit Jésus gentil qu'on a d'habitude dans les évangiles. Il y a quelque chose ici qui le met en colère, puis c'est difficile peut-être de comprendre pourquoi. Sophie. Ben, je pense que y a ce qui est écrit en italique en haut et en bas, ça recontextualise, c'est-à-dire que le temps presse. Là, bientôt Jésus sait qu'il va être crucifié. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'il est plus. Son ministère vient sur la terre, vient à terme. Donc, ça devient pressant là. Le temps, il a plus le temps. Et puis il voit que ses élèves, ben, ils comprennent pas. Et puis on dirait qu'ils sont toujours à la case départ. Alors il devient frustré. Et puis donc il a peut-être le sentiment aussi de faire face à une voie de garage, là, un point de non-retour, enfin, parce qu'il voulait avoir des disciples qui le suivent et qui prennent le relais de sa mission. Et puis ça n'a pas lieu. Alors il se fâche. Il se fâche. Mais il redonne une. Mais il donne des instructions, il dit c'est par la prière et le jeûne que. Donc il se fâche, mais il dit voilà comment il faudrait faire, ça vous aidera, je pense. En tout cas, ça. Merci beaucoup, Sophie. Avant Michel, c'est vrai que la colère de Jésus, je me suis beaucoup questionné sur celle-là. Puis j'en suis peut-être arrivé à une réflexion assez similaire à la tienne. C'est-à-dire, puis en passant, c'est moi qui ai rajouté les italiques juste pour nous situer. On a un Jésus qui ressort de la transfiguration, qui est plein d'espérance, qui reflète l'histoire sainte d'Israël, mais en même temps, on a un Jésus tout de suite après qui va avouer le fait que le Fils de l'homme va être livré aux puissants. Et ça, je me suis dit, est-ce qu'on est devant un Jésus qui est en train de traverser une angoisse profonde de savoir qu'il a de grandes espérances? Mais inévitablement, il y a la mort qui l'attend. Je vais juste soulever la question. Michel. Il y a des grandes espérances, je pense à ce que Sophie vient de dire, entre autres, et puis ça me fait puis un peu à ce qu'on avait au début, ou enfin le thème que tu disais, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible, et puis est-ce que, un, les disciples essaient assez fort, dans le fond, c'est peut-être un peu comme ça qu'on pourrait résumer ça, ou s'ils n'essayent pas assez fort, puis deuxièmement, en même temps, est-ce qu'ils font aussi bien que le maître? Et puis souvent, on voit ça à la maison, par exemple. On veut que les enfants apprennent à faire la cuisine, puis tout ça. Puis la première chose qu'on leur dit, ben là, t'as pas fait ça comme faut. Au lieu d'apprécier ce qu'ils ont fait, on leur dit tout de suite que le gâteau était parfait, mais le glaçage est un petit peu croche. Puis c'est là-dessus qu'on parle. Alors, des fois, il y a un petit peu ce problème-là, puis je dirais tous ces chapitres-là, effectivement, de la fin de la vie terrestre de Jésus,
Il y a un ton qui est un peu moins gentil, un peu plus pressé. Puis je me rappelle un petit peu un de mes premiers examens que j'avais donné en résistance des matériaux, où j'étais convaincu que ça irait très bien, puis que j'aurais une belle moyenne d'à peu près 100%, ou non, mettons 80-90, alors que je me suis ramassé avec une moyenne de 20% plutôt. Et me se poser des questions, c'est moi qui ai des patates ou bien c'est eux autres qui ont oublié d'étudier ou bien les deux. En pratique, il y avait un peu des deux, mais c'est drôle que la classe a remonté après. Mais tout ça pour dire que il y a peut-être un peu de ça. Est-ce que les disciples ont peur de s'exécuter devant le maître? Est-ce qu'on a peur de s'affirmer? Puis est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus entreprenant? Des fois, oui, dans les limites, effectivement, de ce qu'on peut faire. Mais c'est peut-être ça qui est le message. Je ne suis pas sûr si je dirais le message positif, parce que c'est à peu près 50-50, mais en tout cas. Merci beaucoup, Michel. Lynn? Ben moi, comme les deux derniers commentaires, là, Jean-Philippe et puis Michel, je pense que Jésus est un petit peu découragé, mais il a confiance en lui-même parce que ce qui s'est passé, il sait de quoi il est capable. Mais c'est comme si là, il s'en va, puis il aurait souhaité vraiment que ses disciples comprennent et agissent. Ce qui ne semble pas être le cas. Il est un petit peu découragé de ça, moi, je pense. Puis en même temps, il ne lâche pas prise, même si ça le décourage un peu, je sens qu'il leur dit, regarde, si vous avez de la foi, là, c'est, tu sais, il continue quand même de les former, là, puis à dire, vous êtes capable, pas besoin que je sois là tout le temps. Puis c'est d'où la célèbre phrase, là, si tu as la foi gros comme un grain de moutarde, il n'y a rien d'impossible, là. Fait que, moi, je ne vois pas plus que ça, là. Comme, il est découragé de ses disciples, mais en même temps, il continue pareil de faire le job pour que les autres avancent sans lui. Puisque, avec ce qu'on voit, là, entre les deux... entre les deux italiques, là, c'est, il s'en va vraiment, là, il sait où est-ce qu'il s'en va, là. Oui, puis cette confiance-là qui est mise dans les disciples, je trouve que c'est tellement une belle preuve d'humanité de Jésus. C'est un Jésus qui est en colère, mais qui espère en même temps de pouvoir faire la différence et qui croit à son message tout en étant, puis ça c'est mon interprétation de Jésus, tout en étant quand même inquiet de la réalité du monde. Jésus, il va être livré, il va être exécuté, il va mourir. Bien qu'il espère se relever, ce n'est pas une certitude pour Jésus. Et là, ça me fait penser, ce passage-là, peut-être un peu à quelque part, au Jardin des Oliviers. Hein? Alors, il y avait Sophie qui a gardé sa main levée, alors je ne sais pas trop. Non, je retire ce que je voulais dire. Ouais. Parfait. Alors, Alain. Deux, trois choses. C'est sûr que moi aussi, je me suis retrouvé dans la même situation que Michel. D'être sûr d'avoir un examen, d'être sûr de réussir l'examen haut la main, puis bon, je me sentais hop, puis bon, pour réaliser que j'avais eu justement 20 ou 30%. Et le professeur, je me souviens par après, le professeur m'avait regardé comme d'un air sévère, puis elle m'avait dit, Alain, tu peux faire mieux, je sais que tu peux faire mieux. Elle avait dit ça, sévère. Elle avait quasiment l'air bête. Et moi, je savais qu'elle avait raison. Mais ça a été suffisant pour me donner un coup de pied en quelque part pour
repartir. Probablement que la réaction de Jésus, comme de sermonner vertement, c'est peut-être en quelque part, oui, angoissé, comme tu dis, Jean-Philippe. Mais en même temps, c'est que probablement que dans son fort intérieur, il savait que c'est pouvait, il avait la capacité de le faire, ou qu'il avait ce qu'il fallait pour réussir, et que peut-être qu'il ne se donnait pas la peine de. Il pouvait faire mieux, en tout cas. J'imagine que des fois, une fois de temps en temps, si tu mets, faut passer par là pour repartir puis réussir quelque chose. Enfin bon, faut croire que si on est là 2000 ans plus tard, c'est ça qui. Et comment je pourrais dire ça? Que la réaction de Jésus, que les sermonner, ça portait fruit, parce qu'on est encore là, là. Sinon, ça se serait écrasé. Fait que c'est ça. C'était ma réflexion. C'est bon. Merci beaucoup, Alain. Jacques, je t'écoute. Alors, oui, toute cette histoire pour moi se résume dans ces quelques versets. Et puis, j'ai aussi une question. Comment appliquerons-nous ces paroles de Jésus à notre vie de tous les jours? Alors, les disciples s'approchant de Jésus lui dirent, « Et nous, pourquoi n'avons-nous pas été capables de le chasser? » Jésus leur dit, « À cause de la pauvreté de votre foi. » Car en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, passe d'ici là-bas, et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. Et puis Jésus rajoute que si, que, et puis ce genre de démon ne peut s'en aller sinon par la prière et le jeûne. Moi, toute cette histoire se résume là-dedans. Et comment appliquerons-nous cette histoire, ces versets que je viens de lire, à nous? Et que pourrons-nous faire pour notre prochain? Merci beaucoup, Jacques. Bon, je te dirais, bien honnêtement, c'est ce passage-là, moi, qui m'a cassé cette semaine. Puis je me suis aperçu à un moment donné que je devais faire un vœu d'honnêteté là-dessus. Si je serais avec Jésus, puis Jésus me dirait, si tu avais la foi gros comme un grain de moutarde, tu diras, cette montagne-là passe ici là-bas et elle passera. Puis je regarderais Jésus, puis j'aurais fait, t'es sérieux, toi? Parce que personnellement, c'est une parole que je trouve bien belle, mais j'ai beaucoup de difficultés à croire. Il y a comme un fond de scepticisme chez moi qui me met mal à l'aise avec des affirmations comme celle-là. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on peut tout par la foi? Et en tout cas, ça m'a beaucoup questionné cette semaine. Puis en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai de la difficulté à m'approprier ce texte-là. Je trouve l'idée de Jésus peut-être un peu grosse. Donc, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Je sais que Rita avait levé sa main. Alors, on t'écoute. Oui. Bon, moi, j'ai appris des choses parce que, avant de dire le texte, moi, je ne savais pas que Jésus sortait de la transfiguration. Donc, il était très enthousiaste pour le kit. Et puis, c'est sûr que, bon, par la suite, devant les disciples, bon, il était découragé.
Courageux aujourd'hui, ça veut dire pour moi, en tout cas, il est en surcharge mentale, pour moi. Mais par contre, il y a une chose que. Peut-être que. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, c'était. Ben, écoute, le Saint-Esprit était pas venu en retard, là, non? Il était pas venu en retard, Jésus est vivant. Alors, il n'était pas venu, le Saint-Esprit. Le Saint va apporter, va les révéler, les apôtres à un moment donné, non? Je sais. Oui. Oui, le Saint-Esprit, c'est à ça qu'il sert, à nous faire comprendre la parole. Mais je ne me souviens pas, c'est quand ça se. C'est beaucoup plus tard dans Matthieu. Oui, c'est beaucoup plus tard. Mais c'est ça que je me dis, ils ne peuvent pas, ils ont les yeux encore fermés. C'est sûr qu'ils voient l'exemple de Jésus. Ils ont encore les yeux fermés, ils ne comprennent pas tout ce qu'il fait. Mais par contre, je me dis que, ben, on le sait d'ailleurs, avec la descente de l'Esprit, de l'Esprit Saint, ils vont revoir ce que Jésus a leur enseigné. Que là, moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas trop ce qui arrivait. En tout cas, pour moi. Merci. Merci. Merci, Rita. Sophie? Oui, c'est juste pour réagir à Jean-Philippe. Tu trouvais que c'était un peu fou, là, cette histoire de déplacer une montagne avec juste un peu de foie grand comme une graine de moutarde. Puis c'est une petite graine, hein, les graines de moutarde, je ne sais pas, c'est grand comme une tête d'épingle, j'en sais rien. Mais il y a d'autres endroits dans la Bible où justement le Christ emploie des images fortes pour nous brasser un petit peu, comme moi cette image qui est très forte, où je ne sais plus le contexte, où c'est plus facile à un chameau de passer dans le chat d'une aiguille qu'à je ne sais plus quelle personne d'accéder au royaume. Alors c'est sûr que c'est gros comme image, mais au moins ça nous marque et puis ça nous brasse un petit peu là. Donc moi j'aime bien ces images-là aberrantes. Michel? Mais c'est vrai que oui, certaines sont aberrantes un peu, et des fois c'est un peu, comme diraient certains, un peu trop, disons, pour s'avaler comme il faut. Essayer d'avaler une couleuvre, des fois c'est peut-être plus facile, je ne sais pas. Mais pour revenir à la fameuse question de l'esprit de tantôt, bon, oui, mettons, la grosse révélation de l'Esprit, si je peux l'appeler de même, c'est à la Pentecôte, donc c'est après que Jésus est mort, puis qu'il est monté aux cieux, puis tout ça, les fameuses flammes qui sont descendues, ou les langues de feu, en tout cas, selon la version, mais, puis il reste que Jésus dit, je vais vous envoyer l'Esprit, mais en même temps, il y a dans d'autres textes, puis même un peu dans l'Ancien Testament, où, on voit un peu le rôle de conseil de Dieu, donc on pourrait dire on a l'esprit avant de le nommer en quelque part avant aussi. Fait que les apôtres, autrement dit, on n'était pas totalement dépourvus parce qu'il y avait Jésus, donc il n'y avait pas l'esprit, il n'était pas là pantoute. Il n'y avait pas de nom encore, disons. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'est intéressant, j'ai... Puis, c'est vrai que j'ai eu de la difficulté avec ce texte-là cette semaine à cause de la comparaison de Jésus avec le manque de foi. Et si on avait plus de foi, un peu comme un grain de moutarde, on serait capable de tout. Puis, bien que j'ai eu de la difficulté un peu à intégrer cette perspective-là, toutefois, en lisant le texte, il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup accroché. Alors, puis, on n'en a pas parlé. Ça, je suis un petit peu surpris. C'est le fils qui est possédé par un démon. Alors là, je ne sais pas pour vous, mais être possédé par un démon, ce n'est pas rien. Alors, ce n'est pas juste être malade, c'est être sous l'influence de quelqu'un d'autre, c'est être saisi, c'est être un peu, je dirais même, dans l'esclavage. Et cette personne-là qui est possédée, à mon avis, elle vit un peu comme dans un cul-de-sac, c'est-à-dire une situation qui est tellement désespérante et tellement souffrante que nos rituels, nos manières de faire normales n'y peuvent rien. Et j'ai l'impression peut-être que c'est là où est-ce que Jésus nous invite peut-être à réfléchir
Il nous invite justement à réfléchir à une question qui est essentielle, c'est comment est-ce qu'on fait pour résoudre des situations impossibles? Ou est-ce qu'il n'y en a plus d'espérance? Est-ce que c'est par nos œuvres? Et je réfléchissais cette semaine justement à ça, c'est-à-dire, prenons par exemple le cas de la guerre dans le monde. C'est vieux comme le monde. La guerre en Ukraine, la guerre, écoute, en Israël puis en Palestine, c'est pas nouveau en réalité. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Mais est-ce qu'on peut prétendre justement à être capable d'exorciser un si gros démon de notre histoire humaine? Puis à moi de dire, j'en suis pas capable, ça sera pas par nos œuvres, mais seulement peut-être par la volonté de Dieu. Et je crois que c'est de même que je pourrais peut-être intégrer et faire mienne la parole de Jésus. C'est-à-dire, bien que ce soit important, par exemple, d'œuvrer à la paix, que ce soit bien d'œuvrer pour accompagner, pour essayer de guérir les gens qui sont souffrants, on ne pourra jamais enrayer la guerre ni la souffrance du monde. Mais qu'on doit quand même poser des gestes, mais qui sont des gestes d'espérance à travers justement notre foi, à travers la prière et la confiance en Dieu. Alors, c'est un petit peu la réflexion que je m'étais faite cette semaine. Puis avant qu'on termine le moment d'échange, est-ce que ça vous, ce que je viens de dire là, est-ce que ça vous parle un peu? Est-ce que vous avez eu cette impression-là en lisant le texte? Alors, je vois Michel fait. Vas-y donc. Avec le micro, ça va aller mieux. Moi, j'avais un exemple peut-être un peu plus positif, mais qui me ramène un peu à la même réflexion, je pense, à toutes les dépendances. Où les personnes, à un moment donné, sont dépendantes, disons, de l'alcool. Et puis, à un moment donné, certains réussissent à s'en sortir, souvent pas tout seuls. Entre autres, on pense aux efforts, au groupe des A, puis tout ça. Est-ce que c'est pas un peu justement la main de Dieu qui accompagne? Je veux pas non plus faire une association trop directe, AA égale Dieu ou égale Église, c'est pas ça l'idée, mais il y a quand même un parallèle intéressant, puis où je me dis, là on a peut-être quelque chose qui est plus facile à résoudre, mais c'est vrai que dans le cas des guerres, bon, on dirait qu'on est capable d'en régler une, mais que c'est un peu comme les mauvaises herbes, il y en a 25 qui poussent à côté. En tout cas, mais oui, la comparaison est intéressante. Puis oui, on a chacun, c'est la comparaison des démons, ben souvent c'est comme ça qu'on appelait les maladies dans le temps, mais en même temps, on a nos démons dans les vies qui n'ont peut-être pas trois cornes, puis une fourche chaude dans la main, mais ils sont là pareil. Merci. C'est intéressant ce que tu amènes à propos des AA. Ça me fait réfléchir justement peut-être, est-ce qu'on pourrait parler ici d'une forme d'abandon en Dieu? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Très bien. Alors, prenons un petit moment pour intégrer tout le partage que nous avons fait.
Alors, après un si beau moment de discussion, nous serions arrivés au moment des prières d'intercession. Alors, on va faire un peu dans la même optique, c'est-à-dire peut-être un petit changement de rien. C'est-à-dire, j'aimerais ça qu'on prie chacun ce soir. Et que ce soit à voix haute ou dans le silence de nos cœurs, que chacun puisse prier à sa manière pour les uns et les autres. Donc, tout simplement, je vais commencer à partager un peu ce qu'il y a dans mon cœur, et ensuite peut-être à tour de rôle, si vous êtes à l'aise, de prier aussi pour les sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, je commence. Seigneur, toi qui es un Dieu de grâce, nous sommes si heureux de te louer et de te célébrer. Nous venons à l'Église avec beaucoup de joie. Mais tout en sachant qu'il y a des gens en ce moment dans le monde qui vivent de la persécution pour leur religion, qu'ils soient chrétiens ou pas. Nous sommes si heureux de chanter, alors même qu'il y a des gens qui ne peuvent pas chanter et qu'ils n'ont pas accès aux mots, que les mots et la parole sont interdites chez eux. Nous prions pour ces gens-là, Seigneur. Nous sommes si reconnaissants d'avoir la chance de connaître la liberté, de connaître la paix, alors que nos frères et sœurs dans plusieurs pays du monde vivent le déchirement de la guerre, là où une paix paraît impossible. Fais de nous, Seigneur, des instruments de ta paix. Fais en sorte que nous soyons humbles et que nous, bien que nous posions des actes pour enrayer la guerre et pour soigner les gens, le monde ne changera pas par nos œuvres, mais seulement par ta grâce. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais seulement par toi. Et je te remercie tout particulièrement ce soir pour cette belle communauté que nous avons. Alors que je me sentais un peu pauvre et vulnérable en venant à la célébration ce soir, en étant complètement renversé par le texte que ton esprit m'a proposé cette semaine, j'ai trouvé des belles réflexions, justement, dans la parole des autres. Et je te remercie parce que cette parole-là que nous échangeons les uns avec les autres, non seulement elle provient de ton esprit qui nous inspire, mais elle permet aussi de nous nourrir les uns et les autres. Je prie pour les personnes qui vivent dans les rues, dans un pays comme le Canada, qu'on a une bonne qualité de vie en général. C'est tellement froid. Ce matin passé, j'étais à Montréal, samedi, pour une partie de hockey. J'ai vu une femme d'à peu près 40 ans. Elle s'appelle Anka. Elle fouillait dans les poubelles, dans le McDonald's. Et je me suis dit, moi, j'étais gelée moi-même. J'avais froid jusque dans les os à penser à elle qui doit dormir dehors. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un à Ottawa, dans le centre-ville, un jeune monsieur qui s'appelait Alexander. Il était nu-pied, un de ses pieds, il avait juste un soulier, il avait le pied par terre sur le ciment gelé avec plein de plaies. Puis, tout ce qu'il voulait, c'était de la manger. Il dit, j'ai faim, I'm hungry, I'm hungry.
Ils voulaient que les gens donnent de l'argent pour qu'ils puissent manger. Alors, il y en a plusieurs. Ça, c'est juste quelques-uns parmi tant d'autres, mais je prie pour eux. Je remercie Dieu pour les personnes qui s'impliquent dans les projets pour aider ces personnes-là, les bénévoles dans les abris, qu'il y a des fois de la violence. Alors, je prie pour une place sécuritaire pour ces gens-là. Souvent, ils fuient les abris parce qu'ils ont peur. Alors, je prie que ces gens-là aient des vêtements pour les garder chauds, des abris à la chaleur et de la nourriture, mais surtout des programmes aussi qui peuvent les aider à développer leur autonomie et à survivre. Et de la dignité. Dieu nous a donné la liberté. Mais je pense que par les temps qui courent, là, elle est pas mal dure à vivre, ta liberté. Seigneur, moi je te remercie pour ma communauté de s'être regroupée ce soir. J'ai senti beaucoup de chaleur, beaucoup d'écoute, d'accueil. Je sais que c'est pas par nos œuvres qu'on peut aider. Oui, à quelque part. Mais parce qu'on croit en toi, on sait que bon, on sert comme d'instrument, mais c'est seulement toi qui peux. Mais il y a une chose qui m'énerve, c'est comment ça se fait qu'on doit poster, c'est même du mélanger peut-être, là. Moi, ça me dépasse qu'on aille chercher des sous. Il y a du monde qui sont dans les rues, ils manquent de logement. Moi, ça me dépasse. En tout cas, moi, je demande au Seigneur de, parce que je sais qu'il peut nous aider. En tout cas, merci. Suite à cette lecture, moi, Seigneur, je te prierai pour ceux que tu as appelés et que tu as envoyés. Accompagne-les toujours. Accompagne-les toujours. Augmente en eux la foi pour qu'il n'y ait pas de doute sur ton appel. Je pense en particulier à Jean-Philippe. Merci beaucoup, Seigneur, de, comme j'ai dit, pour la communauté que nous avons, pour ces petits moments de prière-là qui, j'en suis certain, font la différence dans nos vies comme dans celles qui gravitent autour de nous, qui sont en périphérie de l'Église ou de nos sociétés. À quelque part, même si nous prions tout simplement ce soir, nous pouvons faire la différence. Et j'invite chacun et chacune à sceller un peu toutes les prières qu'on a énoncées ce soir en les confiant à Dieu à travers la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et à celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Alors que ce moment de célébration se termine, recevons tous ensemble la bénédiction du Seigneur pour tous et toutes. Mes amis,
Le Dieu que nous servons ne connaît pas d'obstacle. Dans le feu d'un buisson ardent, dans l'eau qui s'échappa d'un rocher, il nous a dit, soyez en confiance, je suis là avec chacun de vous. Malgré nos croix de bois, malgré nos désespérances, faisons expérience de sa présence. Ayons foi dans les jours à venir pour la suite de nos vies, pour la suite du monde. Dieu fera de l'impossible tous les possibles. De la mort, il créera une source de vie. Soyez bénis, peuple de Dieu. Le Seigneur vous envoie maintenant en mission, en paix et en joie. Amen. Merci d'avoir été là cette semaine avec nous pour une petite expérience peut-être un petit peu différente de l'habitude, mais qui, j'en suis certain, nous a bien ressourcés pour les jours à venir. Merci beaucoup. Merci, Jean.